Good morning, les idées de Nessus aujourd'hui, les Lonishimat David Ben Fortuna Mazal Fritna, Lucien Bat Reina et Chani Shomo Ben Rafen. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maser Nedarin Perikyud, Mishnah Zaina, Omer Le Ishtokol Nedarin, Shetidori Mikan, Ve Ad Sheavo Mimakom Ploni Aren Kayamin, Lo Amar Kelom, Arehen Mufarin, Abeliezer Omer Mufar, Vachachame Omerim, Eno Mufar. אמר רבי אליעזר, אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור, לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור. אמרו לו, הרי הוא אומר, אישה יקימנו ואישה יפרנו. את שבלכלל עקם, בלכלל אפר. לא בלכלל עקם, לא בלכלל אפר. האומר לאשתו, אנו מדיע שפם, כל נדרים שתדורי מכאן ועד שעבו ממקום פלוני, tous les נדרים que tu prononceras depuis maintenant, quand je vais sortir tout de suite, je dois partir dans deux jours, je sors à l'étranger pendant deux semaines. Je te dis tout de suite, tous les nédarim que tu vas prononcer durant ces deux semaines, Achavumi ma compagnie jusqu'à ce que je revienne de là-bas, Arehen Kayamin, je les valide tous. Lo Amar Glo, il n'a rien dit. Soit, il sait que sa femme elle a une tendance à prononcer des nédarim, à ne pas boire du coca pendant deux jours, pendant trois jours. Et donc, maintenant, on rappelle d'abord une petite. Le mari il peut valider le néder, annuler le néder ou se taire et le néder il sera validé de lui-même. Je m'explique. Ma femme prononce aujourd'hui qu'elle ne va pas boire de coca. Alors, deux solutions. Je peux lui dire je t'annule ton néder, elle va boire le coca. Je peux lui dire je valide le néder, et dans ce cas-là c'est fini. Dès que j'ai validé le néder, je ne pourrai plus l'annuler. Ou je peux me taire, et je laisse la journée passer. J'ai encore, selon mon humeur, j'annulerai ou je n'annulerai pas. La journée se termine. Le neder sera validé de lui-même. D'accord? Ça, c'est la base, il faut la savoir. Et entre parenthèses, Chazu Shalom, des fois ça existe, donc, des femmes qui s'énervent et qui disent je te jure que je vais. Dis ta voix basse. D'accord? Comme ça, ça annule les nederim. J'ai vu une scène une fois d'une maman qui a sorti de ses gonds complètement et elle dit je te jure que je vais te crever les yeux à son fils. Et un truc comme ça. Je sais pas si là, le nederim ne fonctionne pas ou c'est pas ça parle bon temps. De manière générale, si vous l'entendez l'ouvrir, vous dites tout simplement « Moufarlach », elle n'est même pas obligée de l'entendre. Ça, on l'expliquera bien en général. On referme la parenthèse et on revient dans le sujet de notre mission. Donc on a réintroduit. Le mari peut annuler, peut valider. Maintenant, ce qui se passe, c'est que jusqu'à maintenant, on a appris que le mari doit nécessairement entendre le néder pour pouvoir l'annuler. Le néder, il n'a pas de présence, il ne peut pas l'annuler. Et il y a une discussion avec lui, en gros, mais bon. Et maintenant, on parle maintenant de quelque chose encore plus fort. Valider ou annuler le néder avant même qu'elle le prononce. Je pars pour deux semaines, tout néder que tu prononces, je le valide. C'est-à-dire que si finalement, je vais revenir un mardi matin dans trois semaines, et puis elle a prononcé le néder depuis le tôt le matin, deux heures avant, elle va pas boire du coca. Et j'arrive ici, je la revois, comment vas-tu? Très bien, hein? Tiens, tu vas avoir du coca? Non, j'ai fait un néder aujourd'hui. Ben, je peux plus lui dire, alors je pourrais lui dire, ah, je te l'annule. Parce que ce que j'ai validé le néder avant que le néder ait été prononcé, ça d'après tous les avis, ça ne marche pas le kiyum. D'accord? Ça c'est point numéro 1. Il y a une petite précision, c'est de comprendre la raison pour ça. Je vous dis tout de suite, c'est pas si facile de faire comme ça. C'est que, il y a pourquoi il ne faut pas prendre le néder. Tout ça, il y a le bain d'un rapport de l'explication, mais ce n'est pas à lui de prononcer. C'est peut-être travailler déjà pendant. Que la raison pourquoi ça ne marche pas de valider le néder avant l'heure, avant même qu'il ait été prononcé, parce que qu'est-ce que ça veut dire que tu valides tous les nédarim? Tu sais de quoi elle va faire les nédarim? T'as l'habitude qu'elle va faire le néder de ne pas boire de coca, elle va faire le néder de ne pas manger de ce que tu veux, et peut-être aussi qu'elle va faire le néder de ne pas donner d'argent à la ou de ne pas donner d'argent à la tzedaka, ou de ne pas aller chez ton père, chez son beau-père, chez sa belle-mère, elle en a marre de la belle-mère. J'ai une que pendant une semaine, elle me fait l'éviter la belle-mère. Peut-être qu'un néder pareil, tu ne peux pas le valider, peut-être que tu devrais l'annuler. Donc comment est-ce que tu peux prononcer avant même de savoir tous les néders que tu vas dire, je te les annule. Peut-être que tu ne veux pas les annuler. Donc pour le moment, ta parole n'a pas de valeur. Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer, en fait. Et d'après Chachamim, il y a une raison plus profonde, c'est que de manière générale, un homme, il peut pas, la Torah n'a pas donné la possibilité de valider un néder qui n'a pas encore de prononcer. Quelle est la différence entre les deux? C'est expliqué dans Tivadi, ça ici. Qu'est-ce qui se passe si jamais je sais qu'elle a cette prononce au coca et qu'elle fait le néder du coca et je lui dis je te valide le néder du coca? Dans ce cas-là, je
sais précisément ce qu'elle va commencer et j'ai validé précisément que c'est une heure. Après un heure, ça marchera de faire. J'ai validé le dernier avant qu'elle va commencer, tandis que d'après un ça ne marchera pas. Comme ça, à propos des communes traditionnelles. Pour le moment, on avance dans le sujet de la Mishnah et après on fera une petite synthèse, on reviendra sur ce détail-là. Parce que pour le moment, on doit continuer sur l'autre face de la même pièce. Un réen moufarim, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler les nédarim avant qu'ils soient prononcés. Tous les nédarim que tu vas prononcer, je les annule même. Je sais que tu as une tendance à prononcer des nédarim, je pars pendant deux semaines, je t'annule tous d'avance. Eh bien, surtout, on a Rabbi Eliezer qui me dit moufar, ça marche d'annuler le néder. Le premier mourim est dans le moufar. Ils me disent qu'il n'est pas, le néder n'est pas annulé. Et vient Rabbi Eliezer se justifier. Amar Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer fait une différence entre la validation du néder et l'annulation du néder. On pourra annuler un néder après qu'il ait été prononcé, mais pas le valider. Et sur ça, il s'explique Rabbi Eliezer. Il ne veut faire un nédarim chez Baroli Zonfo. C'est la Torah qui donne la possibilité de prononcer un néder qui a déjà été prononcé et qui est déjà interdit, vous vous rendez compte? Loya faire un néderim chez Baroli Zonfo, il ne va pas lui donner la possibilité aussi d'annuler un néder qui n'a pas encore été prononcé. C'est-à-dire, il faut savoir. Lorsque la femme prononce un néder, qu'elle ne va pas voir de copain à 6h du matin, moi je me rappelle l'histoire et j'ai vu que le néder à 10h du matin. De 6h à 10h, le néder est en vigueur si elle a vu. Comment c'est faire de la vie, c'est interdit. Parce que c'est pas comme la tarte de néder, on va voir dans la suite de la prochaine mission de l'engagement. On refait un petit point sur ça. Mais lorsque Marie il annule le néder, c'est pas qu'il déracine le néder, c'est qu'il interrompt. Il a le droit d'interrompre le néder. Donc je commence un néder pendant 8h, à la 9e heure, je l'interdis, c'est bon. Le néder qu'elle prononce la femme, là, il est déjà en vigueur pour le moment. Et la Torah dit tu peux couper le néder. La plus forte raison, tu vas pouvoir annuler un néder avant même qu'il ait été prononcé, pour la simple et bonne raison, que de manière générale, dans tous les domaines de la vie, c'est plus facile d'éviter les problèmes que de se couper. Ouais, il y a, comme chez les pompiers, il y a un dicton des Israéliens qui dit que tout incendie peut être éteint avec un seul verre d'eau. Ça dépend à quel moment il arrive, le verre d'eau. C'est comme dans tout, c'est ceux qui font des régimes par exemple, et c'est plus facile de ne pas manger que de commencer à manger. Dès qu'on commence à manger, on a envie de manger plus. Celui qui veut ne pas s'énerver, alors il vaut mieux qu'il ne commence même pas à s'énerver, parce que dès qu'il va commencer à parler, il va être enflammé. Toute la vie, c'est une grande règle. Dès qu'on va commencer à prononcer une chose, on a le même principe. Le néder, dès qu'il a déjà été prononcé, il est déjà en vigueur. Et la Torah dit tu peux encore l'interrompre. Bon, dans ce cas-là, je peux, plus en raison, je peux annuler le néder avant même qu'il ait été prononcé. Logique pure, très bonne. Sur ça, Ben Chachamim lui rétorque. Amroulo, Are ou Omer, le pasouk nous dit Isha Yekimenu, Be Isha Yeferenu. La Torah l'a fait, elle a juxtaposé la validation du Neder avec l'annulation du Neder. Le mari a la force de valider le Neder et son mari validera son Neder, son mari annulera le Neder. Et Sheba Lichlal Akem, Ba Lichlal Afer. Un néder que le mari a la possibilité de valider, alors la Torah l'a dit, tu pourras même aussi l'annuler. L'oba l'ichla l'akem, mais si le mari n'a pas la possibilité de valider le néder, alors il ne pourra pas l'annuler. En deux mots, Rabbi Yachachamim le rétorque. Écoute-moi, il faut juste apposer les deux notions. Si toi, Rabbi Yachachamim, tu es d'accord que tu ne peux pas valider le néder avant l'heure, alors la Torah ne t'a pas donné la possibilité d'annuler, parce que la Torah a dit, tu annules ce que tu pouvais valider uniquement. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, je reviens sur la petite précision du début. C'est qu'en réalité, alors qu'est-ce qui se passe finalement pour le néder du coca précisément? Que je valide le néder, on me dit que d'après Rabbi Eliezer, on pourra valider le néder du coca qu'elle prononcera dans 3 jours même. Donc, si je peux le valider, je peux aussi l'annuler. Sur ça, Rabbi Eliezer n'ont pas répondu. En fait, ils expliquent, le Tifa Tissane, surtout c'est lui qui explique bien sur tous ces points-là, explique qu'en réalité, Rabbi Eliezer déduit du pasouk que même s'il y a des grandes logiques dans tout ce que tu dis, mais la Torah, elle a donné un ordre. Tu ne peux valider ou annuler un néder, c'est une zéra d'akatouf. La Torah a insisté de le faire de la sorte. Le néder qu'elle a prononcé, la Torah a dit, tu le valideras. Tu pourras le valider. Mais je ne peux pas valider un néder avant l'heure, au même titre que je ne peux pas non plus annuler un néder avant l'heure. C'est une zéra d'akatouf, et même s'il sait quelle est la nature du néder qu'elle veut prononcer, impossibilité ni d'annuler ni de valider. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov Sera.